Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Python pour Machine Learning. Dans ce cours, vous apprendrez les fondations du Machine Learning, méthode de régression linéaire. Tout cela avec Dr. Kotz Hassin, membre du corps doyen de l'Université Mid-Ocean. Pardon. Accordons maintenant la parole à Dr. Kotz. Dr. Kotz, la parole est à vous. Vous pouvez commencer Merci. Votre formation. Merci beaucoup. Bienvenue, chers étudiants. Donc, je rappelle que cette séance, c'est la séance numéro 4 dans notre formation Python pour Machine Learning. Durant les premières séances, on a fait de Python, les bases de Python. On a vu de listes, les variables, les boucles, loops, les fonctions, etc. Donc, dans cette séance, on va en fait commencer par... C'est quoi la machine learning? Et je veux parler d'une méthode particulière en machine learning qui est la méthode de régression linéaire. Et je veux m'intéresser aux mathématiques qui se cachent derrière cette méthode, la méthode de régression linéaire. Donc, je commence par le premier point, c'est les fondations du machine learning. Est-ce que vous avez une idée? J'aimerais savoir juste, avez-vous une idée déjà sur ce quoi les machines, la machine learning ou bien l'apprentissage automatique? Est-ce que vous avez une idée sur ça? Donc ici, je pose la question à vous, les étudiants présents là. Est-ce que vous avez une idée déjà sur la machine learning ou bien non? Donc, pour ceux qui veulent répondre à la question de Dr. Kotz, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. OK, utilisateur inconnu, oui, un peu pas trop. OK, Sophia. C'est Sophia, oui, pardon. D'accord, OK. Donc là, donc, je veux commencer, moi non, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je veux commencer de zéro, puisqu'il y a, non, très clair, on commence de zéro alors. Regardez de quoi il s'agit un algorithme d'apprentissage automatique ou bien l'apprentissage automatique, le machine learning. Je veux parler en fait de la méthode de régression linéaire. La méthode de régression linéaire ou bien d'une façon générale, l'apprentissage supervisé, je veux parler de supervisé, je m'intéresse. À ça. L'apprentissage supervisé, c'est-à-dire la machine apprend à partir des exemples. C'est-à-dire quoi la machine apprend à partir des exemples? C'est-à-dire notre point de départ, ce sont des exemples. Comment? On a par exemple un tableau qui contient, je donne un exemple simple, ici des phrases et ici la langue utilisée. D'accord. Par exemple, ici, dans un tableau, j'ai une phrase, une première phrase. Salut tout le monde, par exemple. Et je sais très bien que la langue de cette phrase, c'est français. J'ai une autre phrase. Hi. How are you, par exemple. Et je sais que ceci est en anglais. Et par exemple, marhaban ou salamu alaykum. Et je sais très bien que ceci est en arabe. Encore une autre phrase. Je sais que c'est en français, en anglais, ainsi de suite. Donc, j'ai un tableau qui contient déjà des données. Ça, c'est ce qu'on appelle notre dataset. L'ensemble des données qu'on a. Maintenant, c'est quoi notre but? On a des données, d'accord, très bien. C'est quoi le but alors de machine learning? Maintenant, vous allez donner à la machine, à l'ordinateur, à votre programme, une nouvelle phrase qui n'est pas dans ce tableau. Donc, je dis par exemple, Assalamu alaikum. Et c'est la machine qui va déterminer cette phrase-là, elle est de quelle langue? Est-ce que c'est français, anglais ou bien arabe? Donc, votre but est déterminer l'image de cette phrase-là. Donc, ça, c'est notre premier exemple. Je donne un deuxième exemple. On peut avoir un autre dataset où on dispose, par exemple, des prix
des appartements. Donc ici, j'ai la surface en mètres carrés d'un appartement. Par exemple, je vais dire, on a un premier appartement de surface 100 mètres carrés et c'est vendu par exemple, 80 000 dollars ou bien euros ou bien ce que vous voulez. On a un autre appartement de surface 90 mètres carrés et c'est vendu par, je ne sais pas, je dis par exemple 85 000. Ainsi de suite, j'ai un autre 200 mètres carrés avec, voilà, un prix. Donc ça, c'est notre dataset. Nous avons déjà des données. Notre but maintenant, on va écrire un algorithme d'apprentissage automatique. J'ai maintenant, lorsque je donne une nouvelle surface, je dis par exemple maintenant, j'ai un appartement de surface 150 mètres carrés. Quel sera le prix approprié de cet appartement? Donc là encore, il s'agit d'un apprentissage automatique. On va utiliser des exemples et puis demander de l'ordinateur de déterminer l'image de 150. Encore peut-être un dernier exemple. En médecine, encore, on utilise l'intelligence artificielle. On utilise l'apprentissage automatique. Comment? On peut faire l'analyse des tumeurs. D'accord? Et ici, on va calculer, par exemple, la largeur ou bien la longueur d'une tumeur. Et là, le résultat, est-ce que cette tumeur est bénigne ou bien maligne? Est-ce qu'il s'agit d'un tumeur de cancer, Allahumma afina, ou bien non? Donc, ici, on va dire bénigne ou bien maligne. D'accord? Donc, on peut avoir, par exemple, un tumeur de 1 cm, bénigne. 1,5, bénigne. 2, maligne. 1,75, maligne. Et maintenant, ça, ce sont des données. Il y a des patients qui ont consulté un médecin qui ont des tumeurs avec ces données-là. Et après l'analyse, on a déterminé, après l'analyse, pas avec la machine, on a déterminé pour chaque patient, est-ce que c'est la tumeur est bénigne ou bien maligne. Et maintenant, on a un nouveau patient. Et dans la tumeur, par exemple, on va dire de largeur 1,6 et on veut que la machine directement détermine est-ce qu'il s'agit d'une tumeur bénigne ou bien maligne. Encore là, il s'agit de l'apprentissage supervisé. Donc, d'une façon générale, je parle de l'apprentissage supervisé lorsque j'ai un tableau qui contient Y, qui est notre target en anglais ou bien cible en français, on va dire notre cible. Et là, on a des données X qui sont les facteurs. Donc, on a un tableau déjà pour chaque, ça c'est mon X1, c'est mon premier exemple. Et voilà son image Y1. Ça c'est X2, voilà son image Y2. X3, l'image Y3. Et j'ai par exemple M exemple, XM, ça c'est YM. J'ai un tableau des données, un dataset comme ça. À partir de dataset, je veux maintenant que mon tableau ou bien ma machine ou bien mon algorithme prédit, il apprend à prédire lorsque maintenant je dis n'importe quelle valeur ici, je donne un X, ça me donne un Y. Donc, je cherche une association. Je cherche, je ne sais pas si vous avez une base mathématique, je cherche une application qui associe à chaque X à Y. À partir, comment je peux déterminer l'image de X, le Y? À partir des exemples que j'ai dans ma dataset. Jusqu'à là, est-ce que c'est bon? L'idée générale, bien sûr, je n'ai rien dit en détail, mais juste l'idée générale. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Des questions? C'est bon? Alors, je suppose que tout est clair. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît, soit l'écrire sur le chat.
D'accord, Sophia, oui, c'est clair, mais il y en a un autre utilisateur qui a dit pas vraiment. Moi, Moshi. D'accord. Alors, regardez, monsieur, le but juste, supposons qu'on a des appartements. Hein, vous avez une agence immobilière, donc vous avez des appartements à vendre, d'accord? Donc, vous cherchez le prix convenable pour vos appartements, d'accord? Et là, comment déterminer? Si j'ai rien, j'ai aucune idée, j'ai vraiment un appartement en Paris de surface, on va dire 500 mètres carrés. Et je me demande quel sera le prix convenable pour mon appartement. Je veux vendre mon appartement, mais je veux bien donner un prix qui ne soit pas très cher et ne soit pas vraiment gratuitement, on va dire. D'accord? Donc, comment je peux savoir le prix convenable pour mon appartement? Je dois avoir des exemples. Je dois chercher des exemples. Alors, je veux poser des questions. Allez, quelqu'un qui m'a dit il y avait un appartement de surface 100 mètres carrés qui était vendu par 10 000 euros. Voilà, par exemple. Je sais que ce n'est pas raisonnable, mais voilà, juste c'est un exemple. J'ai cherché un autre exemple. Il y avait un citoyen qui m'a dit voilà, j'avais un appartement, la surface était 150 mètres carrés et j'ai vendu ça par. Voilà, je donne un chiffre quelconque. Et ça va me donner des idées maintenant. Un troisième, il m'a dit que j'avais un appartement de, on va dire, 1000 mètres carrés et j'ai vendu ça avec un milliard, par exemple. Maintenant, je vois mieux. Je peux maintenant prédire, alors, je peux voir le prix convenable pour mon appartement de surface 500 mètres carrés. Le but est clair ou pas? L'idée générale. Donc, on va créer un algorithme qui va faire ça. Parce que si, est-ce que vous allez me dire, est-ce que vous pouvez me dire maintenant, allez, l'image alors de 500 mètres carrés, quelle sera l'image ou bien le prix convenable? Bon, je ne sais pas, on peut dire peut-être la moitié de ça, puisque ça c'est la moitié, ou bien je multiplie, je cherche, j'applique la règle de 3. On va faire un peu de raisonnement pour trouver le prix raisonnable. Oui ou non? Donc, ici, on va faire un algorithme, on va utiliser la machine pour prédire, pour déterminer le prix adéquat, le prix raisonnable de l'appartement. Donc, je ne sais pas le prix convenable à ceci. Je ne sais pas, est-ce que maintenant l'idée est mieux claire? Donc, est-ce que vous avez compris, chers participants? D'accord, Fédi, c'est bon. Ça va, docteur. L'autre étudiant qui a dit pas vraiment pour moi, j'aimerais bien. D'accord, très bien. Donc, ça, c'est un exemple. Encore, pour les médecins maintenant, ils peuvent utiliser encore les algorithmes de machine learning. Comment? L'exemple. Le plus utilisé en médecine, c'est quoi? Pour les tumeurs. Donc, par exemple, on a des patients qui ont des tumeurs. Donc, on a fait des scanners et on a vu des tumeurs. Et là, le médecin, il va calculer la largeur de tumeur de premier patient. Ça, c'est notre patient 1. Ça, c'est les données de notre patient 2. Ça, c'est les données patient 3. Et là, on va dire dans notre dataset, 4 patients. Donc, on a 4 patients au total. Donc, chacun a un tumeur. Donc, on a calculé à l'aide de scanner. On a fait un scanner. Et on a pu déterminer la largeur de tumeur de patient 1. On a trouvé que c'est 1 cm. Et on n'a fait pas, ici, on n'a pas fait apprentissage automatique. Non, on a fait de bios, je ne sais pas le mot technique en médecine, peut-être
biopsie, voilà, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on a fait l'analyse de cette tumeur-là. Donc, on a utilisé ici les outils pharmaceutiques. Donc, on a fait l'analyse, biopsie de cette tumeur-là. On a trouvé que, malheureusement, c'est par exemple malin. D'accord? Donc, la tumeur est maligne, là. Pour le patient 2, la largeur du tumeur était par exemple 0,75 cm. Et c'était encore malin. Pour le patient 3, 0,5, son tumeur de largeur 0,5. Et la tumeur, heureusement, c'était bénigne. Il n'a pas de cancer. Alhamdoulilah. Ça, c'est 0,4. C'était bénigne encore. Donc ça, on n'a pas fait des algorithmes. Juste, on a fait des analyses avec des laboratoires, médecine, etc. On a déterminé pour chaque patient la largeur du tumeur. Et est-ce que c'est malin ou bien maligne la tumeur ou bien bénigne? Maintenant, il y a un médecin qui n'a pas pu, pour des raisons, il n'a pas pu faire de biopsie. Peut-être la place de tumeur est si sensible ou bon, des raisons et d'autres. On a un patient sain. On sait qu'on a fait le scanner. Machine learning est beaucoup plus de maths du calcul. Bon, la machine learning, je ne sais pas si vous aimez les maths ou pas. J'aimerais dire qu'il y a des maths là, alors vous dites je vais abandonner. Non, regardez. À l'intérieur, oui, il y a des maths. Mais on peut faire de machine learning et être un data scientist sans être vraiment des mathématiciens, des super mathématiciens, parce que grâce aux bibliothèques, aux librairies de Python, on peut utiliser les librairies directement sans faire trop de maths, sans écrire trop de maths. D'accord? Mais à l'intérieur, oui, il y a trop de maths là. Mais si on veut être juste un data scientist sans faire trop de maths, c'est faisable encore. C'est bon, Fedi? Alors, je continue pour mon exemple. Je dis, voilà, alors, pour mon patient sain, on a trouvé que la largeur du tumeur, c'est 0,6. Et on aimerait bien savoir, est-ce que la tumeur est bénigne ou bien maligne? Donc, ici encore, c'est une question d'association. On a des entrées là, on a des données. Des données ici qu'on appelle les facteurs. On a des facteurs qu'on appelle X. On le note par X, pardon. Et on a ici des résultats. Les résultats, on les note par Y. Et ça, c'est notre target, ou bien en français, notre cible. D'accord? Pourquoi je dis cible? Parce qu'à la fin, mon but est de déterminer ou bien de prédire est-ce que c'est bénigne ou bien c'est maligne pour n'importe quel nouveau X, nouveau facteur. C'est bon? Pour c'est quoi le but? Juste la question, c'est quoi la machine learning? C'est quoi le but de machine learning? Ou bien on fait quoi par l'apprentissage automatique? Est-ce que c'est bon maintenant? Vous voyez mieux? Tout le monde a compris. D'accord, très bien. Alors, regardez. Juste là... Il y a Fadi qui dit en machine learning est beaucoup plus mathématique calcul. Ah, j'ai répondu, oui. J'ai répondu à cette question déjà. Ah, d'accord. Très bien, merci. Alors, okay, regardez. Je pense que vous pouvez continuer, docteur. Merci, ok, d'accord. Pour, par exemple, je reviens à l'exemple de prix d'un appartement. Ici, notre target ou bien notre cible, c'est le prix d'un appartement. Au lieu d'avoir uniquement un seul facteur qui est la surface, on peut avoir deux facteurs. La surface et l'emplacement ou bien la ville. Ou bien est-ce que ce nombre de chambres, on va dire, allez, nombre de chambres. Donc, ça, on a alors deux facteurs. Donc, on peut déterminer ou bien on peut avoir un modèle d'apprentissage ou bien un modèle de dataset avec deux facteurs, mais pour la target, c'est toujours une seule.
D'accord? Donc ici, on peut avoir par exemple un dataset, un premier appartement avec deux chambres, surface 100 mètres carrés, Y, c'est le prix. Alors, on va dire, on a vendu ça par 100 000 euros, etc., etc. Donc, le point de départ, toujours, pour l'apprentissage automatique supervisé, c'est notre dataset. Et voilà, donc, ça, c'est le premier point essentiel de notre apprentissage supervisé. C'est notre dataset. C'est l'ensemble des données qu'on a. D'accord? Alors, maintenant, après avoir le dataset, on veut bien les visualiser, voir le tableau avec des graphiques, parce qu'on comprend mieux avec les graphiques qu'avec des tableaux. Par exemple, s'il s'agit bien de l'exemple de surface d'appartement en fonction de, ça c'est la surface en mètres carrés, et ça c'est Y, c'est prix. Alors, les exemples, comment les visualiser? On peut les visualiser à l'aide de nuages de points. Donc, ici, notre premier exemple, par exemple, on a dit dans notre tableau, on a le premier exemple, c'était 100 mètres carrés. Le prix, c'était, par exemple, 100 000 euros, on va dire. Donc, ici, on a 100 mètres carrés vendus par 100 000 euros. Allez, on a un premier point là. Deuxième exemple, par exemple, 150 vendus par 200 000. Donc, on a un deuxième point de 150 avec un 200 000. Par exemple, 200 avec 210. 200 avec 210. Et comme ça, on peut visualiser, juste au lieu de tableau, on peut avoir un nuage de points. Donc, ça, c'est notre dataset avec un tableau. Ça, c'est notre dataset avec un graphique. Et là, on va utiliser Python pour tracer le nuage de points ou bien pour voir graphiquement notre dataset. Et on a des librairies qui servent à visualiser les données, à savoir Matplotlib. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ou bien vous allez voir ça avec Madame Nusaïba qui fait une formation sur les librairies de Python pour le data science. Donc, ici, on a besoin d'une machine pour visualiser notre dataset. Voilà pour le dataset. Une fois, on a pu visualiser le dataset. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est notre nuage de points. X à l'aide de Y, toujours. Voilà, je suppose qu'on a un dataset sous cette forme-là. Maintenant, on doit décider, c'est quoi la fonction mathématique qui représente au mieux ce nuage de points? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, soit on va dire, tiens, je pense que l'application F doit être affine, c'est-à-dire la relation Y en fonction de X, F, c'est une droite. Donc, si tu as choisi une droite, voilà, donc on va dire que le modèle, c'est le modèle de régression linéaire. Quelqu'un d'autre peut choisir un autre modèle. Il dit non, à partir de ce nuage de points, je pense que la fonction f, ce n'est pas une droite, mais plutôt c'est un peu polynomial, de type x carré par exemple. Elle fait un peu comme ça. Donc, ou bien un autre, il dit non, je pense que la fonction f, c'est x au cube. Et là, donc, c'est nous qui choisissons le modèle. À partir de quoi? De dataset. Donc, on a parlé du premier point, le dataset, qui est un tableau. Vous pouvez le visualiser avec des librairies spécifiques en Python. Une fois vous avez bien visualisé votre dataset, vous allez choisir votre modèle. Modèle, c'est-à-dire quoi? La fonction f,
Bien sûr, vous allez dire soit c'est une droite, soit c'est une parabole, hyperbole. Donc, vous allez choisir quelque chose comme ça. Non, puisque c'est juste une initiation au machine learning, on va dire qu'on va choisir que le modèle soit une droite, tout simplement. Et vous savez, mathématiquement, une droite, l'équation d'une droite, ça va être AX plus B. Donc, imaginez que votre dataset était sous cette forme-là. Donc, vous voyez, ah, ça ressemble plutôt qu'une droite. Je pense que ça sera une droite qui représente au mieux notre dataset. La question maintenant, quelle sera cette droite? Donc, est-ce que c'est 2x plus 3 ou bien 1 demi x plus 2 ou bien 1 demi x, je ne sais pas, moins 1 peut-être, je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'elle sera cette droite-là ou bien cette droite-là ou bien cette droite-là ou bien celle-là? Alors, d'accord, on a choisi, c'est une droite, on a décidé, c'est une droite, donc on a choisi le modèle. Mais qu'est-ce qu'il nous manque de préciser le paramètre de ce modèle? Donc, on doit déterminer le A et le B qui sont les paramètres du modèle. D'accord? Alors, les paramètres du modèle, comment on va les choisir? En fait, ce n'est pas nous qui va choisir les paramètres de modèle. C'est qui alors? C'est la machine. On va créer un algorithme qui, c'est l'algorithme, c'est la machine qui va déterminer les meilleurs paramètres. Comment déterminer les meilleurs paramètres? Voilà comment déterminer les meilleurs paramètres. Toujours, on a notre dataset, notre nuage de points. Donc, on va chercher la droite, c'est-à-dire chercher les paramètres A et B, qui fait quoi? En fait, qui minimise les erreurs. Mais quelles sont les erreurs, madame? Regardez, on a dit ça représente un exemple réel. Ça, c'est notre X1, la surface du premier appartement. Et ça, c'est l'image de X1, c'est-à-dire le prix vendu. Même chose pour ce point-là, ça représente un deuxième exemple réel. Ça, c'est X2. Ça, c'est Y2. Ça, c'est X3, ce point-là. Et ceci, c'est Y3. Je ne sais pas, Malek, vous m'avez dit qu'on doit s'arrêter. On doit s'arrêter là ou on doit prendre une pause maintenant? Oui, si c'est possible, docteur. Donc, on doit prendre une pause de 10 minutes. 10 minutes? D'accord, pas de souci. On prend une pause de 10 minutes et puis on revient pour voir les erreurs et comment déterminer ou bien comment la machine va déterminer les paramètres A et B. On prend 10 minutes pause. Donc, pause de 10 minutes pour ceux qui veulent se détendre, boire de l'eau ou faire ses prières, vous pouvez les faire maintenant pendant ces 10 minutes. 10 minutes et nous reviendrons.
Deux minutes et nous reviendrons. Donc, soyez prêts. Ok, inshallah, on est là. Ok, nous revenons à notre formation. Donc, les 10 minutes sont terminées. Vous avez pris un peu plus que 10 minutes. C'est bon, on peut commencer, recommencer. Oui, oui, vous pouvez commencer, docteur. D'accord. Allez, donc, je répète, on a parlé un peu de qu'est-ce que c'est machine learning, c'est quoi le but. Et puis, on a commencé par le premier point essentiel dans un algorithme, bien dans l'apprentissage automatique, qui est le dataset, les données qu'on a. Donc, après avoir un tableau qui contient les données, on doit le visualiser, donc avoir un nuage de points. Après avoir le nuage de points, on va préciser, on va donner à la machine un modèle. Donc, puisqu'il s'agit, on a dit, d'une formation juste… initiation de machine learning. Donc, on a choisi, on a choisi le modèle linéaire, c'est-à-dire, bon, c'est une fonction affine. F de x égale à x plus b. Et maintenant, c'est la machine qui va déterminer les paramètres a et b. Donc, juste garder dans l'esprit qu'on a un tableau qui contient des facteurs, des features. Ici, ça, c'est notre premier exemple. Donc, on appelle X1, Y1. Parfois, on met des parenthèses là. Ça, c'est les données du premier exemple. Un deuxième exemple, donc on met X2, le facteur de deuxième exemple. Et le target de deuxième exemple, ou bien la cible de deuxième exemple, Y2. Jusqu'à le dernier exemple, on va supposer qu'on a M exemple, XM, YM. Ça, c'est notre nuage de points. Et on a choisi le modèle F de X égale à X plus B. Donc,
On a choisi une droite. Donc, certainement, on a f de x1 est égal à x1 plus b. F de x2, c'est égal à ax2 plus b, ainsi de suite. F de xm égale à xm plus b. Puisque f, c'est une droite, on va supposer que c'est cette droite-là, par exemple. Voilà notre f choisi avec les paramètres a et b, choisi par la machine. Donc ça, c'est notre fonction f de x est égale à x plus b. Alors, certainement ici, ça c'est x1, ça c'est y1. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le point f de x1. Vous voyez, il y a certainement une erreur entre l'image réelle dans le dataset, dans les données y1, c'est l'image réelle de x1, et l'image de x1 par notre modèle. Donc ici, on a une différence entre f de x1 et y1. On va calculer cette petite différence. De même ici, on a un deuxième exemple x2. Ça, c'est y2. Et voilà l'image, ça, c'est f de x2. Donc, il y en a une différence encore. Ça, c'est une petite erreur. Donc, on va calculer f de x2 moins y2. Ainsi de suite. Donc, on va calculer toutes ces erreurs-là. Si la machine choisit une autre, bon, même toujours à x plus b, mais avec des autres, un autre a et un autre b. Donc, ça sera toujours une droite. Mais ça sera une autre droite. Donc, on va supposer qu'on a choisi des autres paramètres. Donc, on va avoir une autre droite comme ça. Donc, on a des nouveaux erreurs. Alors, un bon modèle, c'est quoi? Les bonnes paramètres, ce sont les paramètres qui minimisent les erreurs. Donc, ici même, on va dire, si je regarde ce nuage de points. Donc, on va toujours choisir le modèle linéaire, c'est-à-dire notre modèle, c'est toujours une droite. Mais moi, je choisis cette droite-là, un autre, il a choisi cette droite-là. À votre avis, le premier ou bien le deuxième est mieux? La question, on a un nuage de points, on a un dataset. Donc, le dataset a donné un nuage de points. On a visualisé notre dataset, on a un nuage de points. On a choisi le modèle toujours linéaire, c'est-à-dire on a choisi de modéliser notre dataset par une droite, AX plus B. Le premier étudiant a choisi cette droite. Un deuxième étudiant a choisi cette droite. La première droite, elle est la meilleure ou bien la deuxième à votre avis? Très bien, la première, très bien, Atiya Abdelmelek, c'est la première. Pourquoi? Parce que je vois que les erreurs ici commises sont certainement inférieures aux erreurs là commises. Ici, il y a des grandes erreurs. Vous voyez? Donc ici, certainement, cette droite, elle représente mieux notre dataset, elle représente mieux que le deuxième exemple. Alors, bien sûr, si ici, la différence entre les deux droites est très claire, la différence. Donc, on peut voir même nous-mêmes décider laquelle est la droite, la meilleure droite. Mais ici, comment la machine va décider les meilleurs paramètres? Comment trouver les meilleurs A et B pour que la droite soit la meilleure? Là, on va calculer notre fonction coût. C'est notre troisième point dans l'apprentissage automatique. C'est quoi notre fonction coût? On a dit on va faire la différence, bien on va calculer les erreurs, très bien, minimiser l'erreur. Donc, f de xi,
Donc, c'est-à-dire quoi? F de x1, on a dit moins y1. Ça, c'est notre première erreur. Et puis, f de x2 moins y2. Et puis, f de x3 moins y3. Ici, ça, ce sont les erreurs. Mais imaginez ici, par exemple, que cette erreur égale à 5. Et cette erreur égale à moins 5. F de x2, c'était plus petit que y2. Dans ce cas, 5 plus moins 5 égale à 0. Comme si on n'a pas d'erreur. Mais réellement, on a d'erreur. Donc, c'est pour cette raison, on va pas considérer la différence tout simplement, mais il faut que l'erreur soit une distance positive. On calcule des distances là et on va alors considérer le carré de la différence pour que la quantité soit positive au carré. Donc, voilà l'erreur entre le premier point et la prédiction, deuxième point et sa prédiction, troisième point et sa prédiction. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je veux calculer en moyenne, j'ai combien d'erreurs? C'est-à-dire quoi en moyenne, j'ai combien d'erreurs? Je vais faire la somme. Ça plus ça plus ça. Donc, je vais faire f de x1 moins y1 le tout carré plus f de x2 moins y2 le tout carré. Jusqu'à le dernier exemple. Bon, je supposais que j'ai m exemples. Donc, f de dernier exemple moins ym au carré. Ça, c'est la somme de toutes les erreurs. Je somme tout ça et en principe, puisqu'on a m erreurs, je divise par m. Ça, c'est la moyenne des erreurs. Alors, pour ceux qui ont déjà assisté à un cours de base ou bien de calcul mathématique, ceci, on peut l'écrire d'une manière plus simple en utilisant ce symbole sigma. Donc, l'erreur, c'est quoi? 1 sur m. Très bien. La somme i allant de 1, ici le premier terme, c'est 1, jusqu'à m, f de xi moins yi au carré. Et ça, on va l'appeler l'erreur. Mais f de xi, c'est quoi en fait, on a dit? N'oubliez pas qu'on a dit f, c'est ax plus b. Donc, f de xi, c'est axi plus b moins yi au carré 1 sur 1. Et maintenant, on va essayer de minimiser cette quantité. Cette quantité, elle varie lorsque j'ai varié A et B. À chaque fois que je change A et B, l'erreur change. Je ne peux pas changer X, Y parce que c'est notre donnée. Je ne peux pas changer Y, Y parce que ça existe déjà dans notre dataset. Ça, c'est donné. Alors, la machine, qu'est-ce que va chercher? Va chercher le A et le B, les paramètres qui va nous donner le meilleur, la première approximation ou bien l'erreur, la plus petite erreur. Donc, on va essayer de minimiser J de AB, ce qu'on appelle la fonction Q. Bon, ici, en fait, dans la pratique, on ne considère pas 1 sur M fois la somme des erreurs, mais on considère 1 sur 2M fois la somme. En fait, d'une part, ça ne change pas. Si vous avez cette quantité, vous cherchez cette quantité, on va chercher le A et le B, qui rend cette quantité très minimale, multipliez ça par 1/2, ça va prendre les mêmes valeurs A et B. Minimiser J ou bien minimiser 1/2 fois J, ça va donner le même résultat. Alors, pourquoi on ajoute le 1/2? C'est quoi l'intérêt? Juste pour simplifier le calcul après. Vous allez voir qu'on va faire de calcul et on va utiliser ce 1/2 pour simplifier le calcul. Donc, je résume jusqu'à là. On a des données, un dataset qui est un tableau. On peut le visualiser en utilisant un nuage de points ou bien d'une façon générale en utilisant les librairies Matplotlib pour visualiser le dataset. Après avoir visualisé la dataset, qu'est-ce qu'on fait? On choisit le modèle. Choisir
le modèle. Alors, pour ce cours-là, pour rendre les choses simples, on va choisir toujours le modèle linéaire sous forme AX plus B. Ou bien, il y a des autres qui écrivent les choses comme ça, WX. Vous allez trouver toujours cette écriture. F de X égale WX plus B. L'essentiel, c'est une droite. Après avoir choisi le modèle, bien sûr, on peut avoir un autre modèle polynomial. AX carré plus BX plus C. C'est un autre modèle. F de X, AX au cube plus BX carré plus CX plus C plus D, ainsi de suite. Donc, ce sont encore des modèles possibles. Mais juste dans ce cours-là, je veux toujours choisir le modèle le plus simple, AX plus B. Mais bien sûr, tout dépend de votre dataset. Vous pouvez changer le modèle. Troisième maintenant point intéressant, vous allez calculer la fonction coût. La fonction coût, d'une façon générale, s'écrit sous cette forme-là. J est égal la somme 1 sur 2m, avec m, c'est le nombre d'échantillons dans votre dataset, c'est le nombre d'exemples, i allant de 1 jusqu'à m, f de xi moins yi. Bon, ça, c'est la fonction coût. Avec notre modèle qu'on a choisi, modèle linéaire, c'est-à-dire AX plus B, donc la fonction coût, comment elle s'écrit? Elle va s'écrire sous cette forme-là. AXI plus B moins YI. Et donc, notre fonction coût dépend de deux paramètres uniquement qui sont A et B. Si tu choisis ce modèle, donc votre fonction coût, elle dépend de trois paramètres, A, B et C. Si vous allez choisir ce modèle avec polynomial avec AX au cube, BX carré plus CX plus D, donc votre fonction coût va dépendre de quatre paramètres, ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est notre fonction coût. Et maintenant, l'étape la plus importante, c'est l'algorithme de minimisation. On va écrire un algorithme qui va minimiser la fonction coût, qui va chercher les meilleurs paramètres A et B pour que la fonction J soit minimale. Donc, algorithme de minimisation. Je ne sais pas si j'écris minimisation. J'espère que c'est clair. Pour les quatre points, est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va répéter ça dans presque tous les modèles d'apprentissage supervisé. Donc, ces quatre points se répètent toujours. Dataset, modèle, fonction coût, algorithme d'apprentissage ou bien algorithme de minimisation. Vous changez le modèle, vous changez le dataset, mais les quatre étapes sont toujours là. Est-ce que les quatre points sont clairs? Donc, est-ce que tout le monde a compris? Y a-t-il des questions? Ok, Sophia, tout est clair. Le reste? C'est compris? Tout est clair pour vous? Si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que c'est clair, docteur. Vous pouvez continuer. C'est bon. Très bien. Merci à vous, Malak. Donc, je continue. Maintenant, la question la plus difficile, bien la plus naturelle, on va dire, c'est quoi l'algorithme? Comment chercher les points A et B qui minimisent la fonction? Alors, là, regardez. On a dit, voilà notre fonction coût. On essaie de minimiser. C'est 1 sur 2m, la somme AXI. Ça peut aller comme suit, pas trop mathématique. Regardez, les mathématiques, ça ne va pas prendre beaucoup avec nous. Juste, je veux expliquer dans cette séance les mathématiques qui se cachent derrière les algorithmes. Mais après, une fois qu'on a déterminé une formule, c'est bon, on va appliquer ces formules à toutes les autres à tous les autres algorithmes, d'accord? Juste, on cherche les formules. Là, on fait de maths pour trouver les bonnes formules. Une fois on a trouvé les bonnes formules, ça y est,
en mettant je peux tard devant nous et on écrit nos algorithmes en utilisant les formules telles qu'elles. Ce n'est pas la peine de vraiment, si on n'a pas bien compris les formules, ce n'est pas un grand problème. D'accord, Fedi? Ok, Fadi, est-ce que tout est clair? Très bien. Donc, ça, c'est notre fonction. Alors, là, c'est une fonction, bien sûr, en fonction de A et B. J'ai bien expliqué ça. J'aimerais bien répéter. Et ça ne dépend pas de X, parce que nous, on fonctionne toujours notre fonction f de X est en fonction de X. Oui, notre modèle, c'est en fonction de X. Et c'est sous la forme AX plus B. Mais n'oubliez pas, notre but, c'est de chercher A et B. Donc, la fonction ici, J, la fonction coût, l'erreur, dépend de A et B. Là, les variables ici, dans la fonction erreur, la fonction coût, ce sont A et B. Comment chercher les meilleurs A et B? Bon, ici, c'est cette fonction, elle est A au carré, quelque chose au carré, A au carré. Donc, pour un premier temps, supposer qu'il n'y a pas de B ou bien même avec un B, mais en fonction de A, les choses, c'est comme parabolique un peu cette fonction. D'accord? Ou bien en maths, on dit c'est une fonction convexe. Même si on ne sait pas le mot convexe, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de souci. C'est une fonction qui a cette forme-là. Alors, c'est quoi l'important avec cette fonction? On sait très bien qu'il y a un seul minimum, d'accord, ce type de fonction. Vous voyez, voilà le minimum, je peux le voir. Si on a une autre fonction, cette fonction-là, elle possède, voilà, ça c'est un minimum local, ça c'est un autre minimum local, c'est bon? Donc, mais les fonctions qui sont convexes possèdent un seul minimum. Donc, notre but est de chercher ce minimum-là, parce que ce minimum qui va donner le meilleur A et le meilleur allez, comment chercher le minimum? Donc, encore, j'écris AB 1 sur 2M, la somme de 1 jusqu'à M, AXI plus B moins YI, le tout carré. Et on cherche A et B. Alors, regardez l'algorithme. Qu'est-ce qu'on va faire? Le point de départ, vous choisissez, n'importe, ça c'est notre fonction. J en fonction de A par exemple, ça c'est notre fonction A. Choisissez le A arbitrairement. A arbitraire. Quelconque. Donc, ça c'est une fonction mathématique, donc elle a cette allure-là. Mais comment je cherche le A, ça ce A? Je veux bien chercher ce A-là. Ou bien la machine va chercher ce A-là qui minimise J. Comment on va chercher A? Elle va considérer tout d'abord A arbitraire. Donc, on peut tomber là, ou bien là, ou bien là. Tout est possible. Donc, on va chercher un A arbitraire. Et puis, comment faire pour dire non, ce n'est pas ça le bon A? Voilà le bon A. Donc, voilà l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? On va calculer la dérivée de cette fonction en A. Donc, je dérive par rapport à A. Disons, la machine a tombé sur ce A-là. Donc, la machine a choisi arbitrairement un réel A et elle a tombé sur ce A-là. Voilà, ça, c'est notre premier A. Puisque j'ai choisi arbitrairement, donc certainement, donc on ne va pas tomber nécessairement sur le point qui minimise J. Donc, une fois que j'ai trouvé ce A, on va calculer la dérivée de J en ce point A-là. Une fois j'ai calculé le J, donc il est soit positif, soit négatif. Bon, si c'est le J égale 0, donc certainement c'est le minimum. Hein. Vous savez que si la pente là est nulle, donc par hasard on a tombé sur le minimum. Alors, si la dérivée est positive, donc certainement vous savez que c'est une fonction croissante là. Si la dérivée est négative, donc la fonction est décroissante. Donc ici, lorsque tu vas calculer, je suppose qu'on a tombé sur ce point-là, certainement tu vas trouver une dérivée négative. Donc voilà la pente que tu vas trouver, cette pente-là qui est négative. Alors, on va faire quoi maintenant? Tu vas faire A reçoit dans Python
a moins la dérivée par rapport à a fois un pa. On va dire une petite, un petit réel alpha. On va appeler ça un pa. Pourquoi je fais ça en fait? Parce que finalement, je sais très bien si la dérivée est négative, donc je dois avancer pour trouver le minimum, puisque la fonction est convexe, elle a cette allure-là. Si l'ordinateur, par hasard, il choisit un a qui est là, certainement, la dérivée est positive. Dans ce cas, il doit reculer. A doit reculer un peu. Donc, je sais très bien, si la dérivée est négative, je dois avancer par a, donc je dois ajouter une quantité positive. Si la dérivée est positive, donc je dois reculer et donc je dois retrancher une quantité positive. Bon, je répète, je sais que c'est du maths, mais là, je veux essayer d'expliquer quand même dans une séance, c'est une seule séance, là, on va faire demain maintenant cette séance. Pour la semaine prochaine, on va reprendre avec Python. J'aimerais bien donner une idée pour ceux qui sont intéressés par les mathématiques cachées derrière les algorithmes de machine learning. Donc ici, certainement, je suppose que je suis là. Donc la dérivée est comment? Est négative. Alors, je multiplie par une constante positive, ça reste toujours négatif. Avec ce signe moins, ça sera positif. Donc, qu'est-ce que je fais alors là? A plus une quantité positive, donc j'avance. Je fais le bon sens. Si maintenant, toujours, on a une fonction de ce type, J, on cherche ce A0 qui minimise la fonction J, donc le point de départ, juste un réel A au hasard. Par hasard, la machine a choisi ce réel A. Donc, on va calculer la dérivée. La dérivée ici va être positive. On fait de même. A reçoit A moins une quantité, petite quantité positive, fois la dérivée par rapport à A. Puisque ici, la dérivée est positive, multiplié fois une quantité positive, ça reste positif. Ici, j'ai A moins une quantité positive, donc je récule. Ainsi de suite, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez imaginer l'algorithme. Je choisis un point au hasard et à l'aide de, ici, par exemple, la dérivée va être négative. Donc, on va faire comme ça un petit pas. Voilà l'image, encore la dérivée négative. On va faire un petit pas. Voilà l'image, un petit pas. Voilà l'image jusqu'à arriver au point minimal. Donc, là, à chaque fois, je calcule la dérivée, je fais de même, toujours A reçoit A moins la dérivée, A reçoit A moins la dérivée, jusqu'à trouver ou bien s'approcher du minimal, du point minimal de J. Si maintenant la machine a choisi un point ici, certainement la dérivée est positive, donc je recule jusqu'à arriver au point qui minimise la fonction J. Donc là, en Python, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire une boucle for. C'est un loop là, for loop, ou bien boucle for, qui fait quoi? À chaque fois, je fais A reçoit A moins alpha, fois la dérivée de J par rapport à A, pour s'approcher de plus en plus vers le point A qui minimise la fonction coût J. Est-ce que ce point qui est plein de maths est clair? Donc, est-ce que tout le monde a compris? Veuillez, s'il vous plaît, si vous avez des questions, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Tout est clair? Pas de questions? Est-ce que tout est clair? Je pense que tout est clair, docteur. Nous allons voir s'il a des questions à la fin de la séance. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, donc je continue. Donc ici, on a parlé
de l'algorithme d'apprentissage, algorithme de minimisation. L'algorithme que je suis en train d'expliquer s'appelle l'algorithme de gradient descend. Donc ici, c'est un algorithme très connu pour minimiser l'erreur dans l'apprentissage supervisé. Donc, si je résume maintenant, on va faire une boucle A reçoit A moins un pas. On va choisir, encore c'est nous qui va choisir ici le alpha, ce qu'on appelle en anglais « learning rate ». C'est très intéressant comment choisir le alpha. Malheureusement, il n'y a pas une méthode claire comment choisir le alpha, mais dans la pratique, juste on choisit des valeurs, différentes valeurs pour déterminer ou bien pour en conclure une meilleure valeur de alpha. Moi, la dérivée de J par rapport à A. De même pour B, si vous avez bien compris l'idée, donc B encore, c'est égal B moins le alpha dérivé de J par rapport à B. Donc ça, on va mettre ça dans une boucle for, dans Python, et pour trouver A et B qui minimisent la fonction coût. Donc, on a parlé de dataset, modèle, fonction coût et algorithme de minimisation. Ici, notre algorithme, on va parler de l'algorithme de gradient descent. Maintenant, comment je veux écrire ces formules dans Python? D'accord, si l'idée, elle est claire, et j'espère que l'idée est claire. Si l'idée mathématique, les formules mathématiques sont claires, maintenant la question, comment je peux écrire ces formules mathématiques dans Python? Alors, dans Python, on va écrire les choses toujours sous forme des tableaux. Tout sous forme des tableaux ou bien, en maths, on dit sous forme matricielle. Donc là, je veux rappeler qu'est-ce qu'une matrice encore et puis je termine comment écrire ces formules sous forme matricielle pour l'écrire dans Python. Encore, je pose la question. Est-ce que tous vous connaissez qu'est-ce qu'une matrice? Ou bien je rappelle ça, s'il y a quelqu'un qui n'a pas une idée sur qu'est-ce que c'est une matrice, je peux rappeler bien sûr. Donc, pour ceux qui veulent répondre à la question, je pense que vous avez posé une question, docteur, n'est-ce pas? Oui, juste, est-ce qu'ils connaissent qu'est-ce qu'une matrice ou pas? Ok, pour ceux qui veulent répondre à la question, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Sophia, oui, Fadino. Ah, d'accord. Donc, je prends la réponse non, bien sûr, si quelqu'un ne sait pas qu'est-ce qu'une matrice. Regardez, monsieur Fadi. Une matrice, c'est tout simplement, c'est un tableau qui contient des chiffres. Juste dans un tableau, naturellement, vous pensez qu'un tableau s'écrit sous cette forme-là. Voilà, un tableau. 1, 2, 3, 4, moins 1, 0, 9, je ne sais pas. Ça, c'est un tableau. Mathématiquement, ça, c'est une matrice. Je vois ça, c'est une matrice. Et on l'écrit comme ça en maths. D'accord? Donc, ça, c'est un tableau. Il a combien de lignes? 3 lignes. Combien de colonnes? 3 colonnes. Donc, cette matrice, c'est une matrice ayant 3 lignes. 3 colonnes. J'appelle cette matrice, c'est une matrice 3-3. On peut avoir une matrice ayant 2 lignes, 2 colonnes. C'est une matrice 2-2. Ou bien une matrice, celle-là, c'est une matrice. Elle possède 3 lignes et 2 colonnes. Vous voyez? Donc, cette matrice, c'est une matrice 3-2. C'est bon? La définition fait d'une matrice, c'est juste un tableau qui contient des chiffres. Ce qu'il faut savoir, c'est une matrice, combien de lignes et combien de colonnes?
Donc, est-ce que tout le monde a compris? Y a-t-il des questions? Fédi, c'est bon pour une matrice, oui, la définition? Très bien, d'accord. Maintenant, on fait des opérations sur les matrices. On fait des opérations, c'est-à-dire quoi? Si je note A, c'est une matrice, c'est-à-dire un tableau. A, c'est A, 1, 0, 2, 3. B, c'est une matrice. Moins 1, 0, 4, 6. Je peux faire la somme A plus B. Comment? Juste, c'est 1 plus moins 1. Ça fait 0. 0 plus 0. Ça fait 0. Donc, ça, c'est une matrice. Ça, c'est une matrice. Je fais la somme élément par élément. Donc, 2 plus 4, 6. 3 plus 6, 9. Et voilà, je fais la somme des deux matrices. Donc, juste pour faire la somme de deux matrices, il faut que les deux matrices aient la même dimension. C'est-à-dire quoi? Si cette matrice ayant deux lignes de colonnes, donc cette matrice-là doit être deux lignes de colonnes aussi. D'accord? Donc, on dit que les deux matrices doivent être de même taille pour faire la somme. De même, je peux faire la soustraction de deux matrices. Donc, ici, 1, 2, 3, 5, 6, moins 1. A, c'est une matrice ayant deux lignes, trois colonnes. B, c'est une matrice encore 0, 1, 2, moins 1, 0, 4. Encore, c'est une matrice de 3. Alors, je peux faire la somme A plus B ou bien encore, je peux faire la soustraction A moins B. De même, si je veux faire la soustraction, élément par élément. Le 1 moins le 0. Le 2 moins le 2. Le 3 moins le 0. Le 5 moins le 1. Le 6 moins le moins 1, ça fait 7. Et le moins 1 moins le 4, ça fait moins 5. Et comme ça, j'ai fait la soustraction. Donc, pour la somme et la soustraction, je pense, c'est simple. Juste élément par élément, les choses se font. C'est bon? Mais attention, si tu veux faire la somme ou bien tu veux faire la soustraction, il faut que la taille de la matrice A soit, la taille, soit égale à la taille de la matrice B. C'est bon jusqu'à là pour la somme, l'addition et la soustraction de deux matrices? D'accord. Maintenant, encore le point peut-être un peu plus difficile, c'est le produit matriciel. Le produit matriciel, ce n'est pas comme la somme et la soustraction. On ne fait pas le produit terme par terme. Je ne sais pas, est-ce qu'uniquement Fédi ne connaît pas les matrices ou bien il y a des autres étudiants qui n'ont pas des idées sur les matrices? Donc, avez-vous une idée sur les matrices? J'espère que j'ai bien prononcé. Oui, juste, est-ce que vous avez des idées sur les matrices? Vous connaissez les matrices, à part le Fédi, bien sûr. Je sais très bien que Fédi n'a pas une grande idée sur les matrices. Les autres, est-ce que vous rencontrez le même problème? Ok, est-ce que tout le monde a une idée sur les matrices? Oui ou non? Vous pouvez répondre soit en levant vraiment, soit en l'écrivant sur le chat. Allez, peut-être uniquement. Je suppose que. Docteur, oui. C'est préférable de l'expliquer s'il n'y a pas de problème. D'accord. C'est préférable de l'expliquer s'il n'y a pas de problème. Donc, je veux expliquer à Fédi quand même. Fédi, il est là, il a demandé l'explication. D'accord, docteur. Alors, ok. Juste le produit matriciel maintenant. Le produit matriciel, ça, c'est pas élément par élément, mais comment ça se fait? Ici, j'ai une matrice de lignes de colonnes. Et là, une matrice encore de lignes de colonnes.
Alors, pour le produit matriciel, se fait toujours une ligne, toute la ligne fois toute la colonne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la chose suivante. A fois B, c'est cette ligne-là fois cette colonne-là. Comment? 1 fois 1 plus 2 fois moins 1. Donc, qu'est-ce que je dois écrire là? 1 fois 1, ça fait 1, plus 2 fois moins 1, ça fait 1 plus moins 2, c'est-à-dire moins 1. Et j'écris là moins 1. Maintenant, je passe à ce point-là. Qu'est-ce que je dois écrire dans ce point-là? Toujours ligne fois colonne. Cette ligne-là fois cette colonne-là. Élément 1 fois 0 plus 2 fois 1. Donc, 1 fois 0 plus 2 fois 1, ça va donner 2. J'écris là 2. De même là, toujours ligne fois colonne. 1 fois 1 plus 0 fois moins 1, ça fait 1. Et là, ligne fois colonne. Le 1 fois le 0 plus 0 fois le 1, ça fait 0. Voilà, je fais le produit matriciel. Est-ce que c'est bon comme premier exemple, Fedi, pour le produit matriciel? Est-ce que oui, tout est clair? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que c'est bon, docteur, vous pouvez continuer. Très bien, merci. Donc, juste là, c'est un calcul. Bien sûr, vous pouvez consulter notre cours sur mathématiques 2, où on a parlé de calcul matriciel et tout, mais juste le calcul matriciel, c'est ce qu'il faut retenir. Si on a une matrice A avec un nombre de lignes, un nombre de colonnes, une matrice B avec un nombre de lignes, un nombre de colonnes, le produit matriciel, pour voir le produit matriciel, toujours on fait le produit ligne fois colonne, ligne fois colonne, ainsi de suite, pour avoir le produit matriciel. Maintenant, si la matrice A de taille, par exemple, 2, 3, et la matrice B de taille 2, 3, on ne peut pas faire le produit matriciel. Pour faire le produit matriciel, il faut ici que ce chiffre-là, le nombre de colonnes de la première matrice, égale ce chiffre-là, le nombre de lignes de deuxième matrice. C'est ce qu'il faut retenir finalement. Après, vous allez voir, vous allez écrire ça sur Python et c'est lui qui va faire le calcul. Juste, on va chercher le formule. Donc, ce qu'il faut retenir, lorsqu'on a une matrice A ayant M lignes, N colonnes, et une matrice B ayant N lignes, P colonnes, on peut faire le produit matriciel parce qu'ici, on a N là et on a N là. Et le résultat, la matrice, sera M ligne P colonne. Si vous trouvez encore de problèmes avec les matrices, on pourra faire une séance sur le produit matriciel. On parlera d'une séance, le calcul matriciel. Juste, est-ce que l'idée générale de calcul matriciel est claire? Là, on fait de calculs sur des tableaux. Comme on fait le calcul sur deux réels, je fais la somme de deux réels, je fais la soustraction de deux réels, je multiplie deux réels. Là, on fait le calcul sur des tableaux. Pour la somme, bon, c'est simple. La soustraction, encore, c'est simple, mais pour le produit, il faut faire attention, il y a des règles à respecter. Est-ce que c'est bon, les parenthèses sur le calcul matriciel? Ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que c'est clair, docteur. Vous pouvez continuer. Ok, merci. Donc là, maintenant, je reviens à nos points de machine learning et toutes les formules qu'on a, on va les écrire matriciellement. On va écrire des matrices et puis ces matrices-là, on va l'écrire dans Python. Donc, notre dataset qui contient notre dataset quoi? Les targets ou bien la cible et les facteurs. Donc, ça, c'est notre X facteur et ça, c'est notre Y target. Donc, bien sûr, on va dire premier exemple X1, X2, Xn, M
plutôt, Y1, Y2, Y1. C'est bon? Donc, ça, c'est notre dataset. Je veux noter le modèle matriciellement. OK, on a dit le modèle s'écrit sous la forme f de x égale ax plus b. Je veux écrire matriciellement comment s'écrit le modèle. Ensuite, matriciellement, comment je peux écrire la fonction co. Et puis, dans l'algorithme d'apprentissage, on a dit on va utiliser l'algorithme de descente gradient. On va écrire les formules. Donc, la fonction co qui est la fonction g, a, b égale. Tout ça, on va l'écrire matriciellement pour l'implémenter en Python après. I de 1 jusqu'à m. AXI plus B moins YI. Et puis les dérivés. Les dérivés par rapport à A et la dérivée de J par rapport à B, matricielle. Je commence par notre modèle. Bien sûr, là, on a tout un tableau. On a F de X1. F de x2 jusqu'à f de xm. Donc ça, c'est un tableau que je vais noter par f de grand x. F de grand x, combien de lignes ici on a? M lignes. Combien de colonnes? Une seule. Donc f de x, c'est une matrice ayant m lignes, une colonne. D'accord? Je continue. Alors, comment je vais écrire AX plus B là sous forme matricielle? Les paramètres sont A et B. Alors, je veux dire θ, c'est la matrice AB. C'est une matrice, combien de lignes, combien de colonnes? Une seule ligne, deux colonnes. Est-ce que c'est bon pour les dimensions justes? Donc, est-ce que vous avez je compris? Je dois avoir au moins une réponse sur ça, Malak. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire sur le chat. On ne veut pas des silencieux, on veut des personnes qui veulent parler. Merci. Allez, tout le monde, allez, tout le monde. Eh oh! Voilà, là, 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 on était méchants, hein? Je ne sais pas, c'était Sophia qui a écrit c'est Sophie, clair. Oui, c'est ça. Merci, Sophia! Vous m'avez sauvée. Allez, donc, juste, j'écris devant chaque terme son écriture matricielle. Donc, je vais effacer ça pour avoir de l'espace. Donc là, on a dit f de x, c'est en fait une matrice. F de x1, f de x2 jusqu'à f de xm. Et on a dit c'est une matrice de taille m ligne, une colonne. C'est bon. Alors, on va noter θ, les paramètres A, B. Mais afin que le produit matriciel a bien un sens, on a bien vu que on a un problème avec le produit matriciel. Si A, c'est une matrice ayant M lignes, N colonnes, et tu veux faire le produit, il faut que B commence par N. Et donc, il y a des contraintes pour le produit matriciel. Donc, je choisis θ comme vecteur, comme ça, comme une matrice pour ne pas avoir de problème dans le produit matriciel. Ayant deux lignes, une colonne. D'accord? Ça, c'est notre θ. Maintenant, notre x, puisqu'on a f de x, c'est quoi notre x? Notre x, on va l'écrire comme ça, matriciellement. Notre x, on va l'écrire x1, x2, x3, jusqu'à xm. Et là, on va écrire 1, 1, 1, 1, 1.
Et vous allez voir pourquoi j'écris le 1. Maintenant, gardez ça. J'espère que vous avez au moins des feuilles et vous notez ça. Parce que ça y est, une fois, on a trouvé que, comment écrire f de x, comment écrire les paramètres AB, comment écrire x. C'est bon. On a trouvé la forme matricielle. Et grâce à cette forme matricielle, on va utiliser Python pour faire l'algorithme. Mais juste notez ça, on va vérifier que si j'utilise cette écriture matricielle pour f de x, cette écriture matricielle pour x, cette écriture matricielle pour θ, j'ai bien le modèle f de x égale à x plus b. Allez, vérifions ça ensemble. Le f de x, c'est f de x1, f de x2, f de x3, jusqu'à f de xm. Ça, c'est f de x. D'accord. On a dit le x est sous cette forme-là. x1, x2, jusqu'à xm. Avec des 1 là, on va voir, ça sert à quoi ces 1 là. Et là, le θ, ça c'est mon x, et là c'est le θ. Les θ, c'est AB. Alors, matriciellement, je peux écrire le modèle f de x égale le produit matriciel x fois θ. Allez, on va vérifier ça ensemble. On a dit pour le produit matriciel, se fait toujours ligne fois colonne. Allez, on va commencer. Cette ligne-là, fois cette colonne-là. On va trouver x1 fois a plus 1 fois b égale f de x1. F de x1 égale ax1 plus b. C'est exactement notre fonction. Passer à la deuxième ligne, f de x2 égale, toujours on a dit, le produit matriciel se fait ligne fois colonne. Donc, cette ligne-là fois cette colonne, c'est-à-dire f de x2 s'écrit sous la forme x2 fois a, bon, x2 fois a, c'est-à-dire a fois x2, plus 1 fois b, plus b. C'est exactement toujours la fonction f de x égale à x plus b. Donc, vous voyez matriciellement comment j'écris le modèle f de x égale x fois θ. Et maintenant, même si on n'a rien compris de maths, vous pouvez garder cette formule et sachez très bien qu'en Python, il va faire lui-même le produit matriciel. On a déterminé le modèle. On va donner θ à Python, x à Python et demander de faire le produit matriciel. Avec NumPy, il va faire ça. Donc, il n'y a pas de souci, on n'a pas bien compris comment on a trouvé la formule, mais quand même, on a finalement la formule, on peut l'appliquer directement. C'est bon, donc on a pu, oui très bien Sophia, c'est x fois θ. Donc, matriciellement, maintenant je vais écrire les différents points matriciellement. Pour le modèle, on a trouvé le modèle mathématiquement, d'accord, c'est f de x égale à x plus b. Matriciellement, c'est comment? F de x égale x fois θ. C'est ce qu'il faut retenir finalement de avec x, avec θ, c'est AB et x, c'est un tableau finalement. X est un tableau qui contient nos données x1, x2 jusqu'à xn et des 1 là. Voilà matriciellement comment j'écris le modèle. Je passe maintenant à ma fonction coût. J'aimerais bien écrire matriciellement encore la fonction coût. Je rappelle mathématiquement comment j'ai écrit la fonction coût. J de AB égale 1 sur 2m fois la somme i allant de 1 jusqu'à m. Bon, ici j'écris f de x ou bien tout simplement j'écris ax plus b moins y, la ii, au carré. Alors, matriciellement, comment je peux écrire encore ceci?
Est-ce que quelqu'un a une idée? Donc, pour ceux qui ont une idée concernant ce que vient le docteur Coates de mentionner, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Exteta, Sophia. C'est pour une question précédente, je pense. Exteta, c'est pour une question précédente. D'accord. Donc, qui ont une idée sur ce que le docteur vient de mentionner? Xteta, très bien. D'accord, Mohamed, vous suivez très bien. Oui, exactement. Vraiment, ça me soulage lorsque quelqu'un me répond, parce que je comprends que voilà, tiens, il y a quelqu'un qui suit là. Donc oui, je peux remplacer le AX plus B par Xteta, matriciellement, très bien. Le Y encore, monsieur. On peut noter Y, le Y1, le Y2, jusqu'à le Yn. C'est une matrice, le target. Notre cible là, encore, on peut le représenter par une matrice. Comme on a représenté les paramètres par une matrice, on a représenté le X, les données par une matrice, les features ou bien les facteurs par une matrice. Encore, la cible, on peut la représenter matriciellement. Donc, l'écriture matricielle de ce qui est entre parenthèses, x theta. Allez, vous continuez. Je pense que j'ai vu une réponse. Grand, il remplace les petits y. Mohamed, Sophia, x, o, y. Exactement. Très bien, oui, c'est correct. Donc ici, ce qui est entre parenthèses, matriciellement, on va l'écrire 1 sur 2m, ce qui est entre parenthèses x theta moins y, qui sera une matrice de taille combien? Regardez, le x, on va chercher juste la taille de matrice parce qu'on a dit pour le produit matriciel, c'est un peu compliqué, il faut faire attention. Donc, d'accord. Le X, on a dit, c'est une matrice M lignes de colonne. Le θ, c'est une matrice ayant deux lignes, une colonne. Donc, le produit matriciel de Xθ va donner une matrice M lignes, une colonne. Moins Y, mais Y encore, c'est une matrice M lignes, une colonne. C'est bon. On peut faire le produit X fois θ et on peut faire la différence Xθ moins Y. Donc, ça, c'est bien une matrice. Après avoir ce tableau, on va juste faire le carré de chaque terme ici. Et donc, dans NumPy, on sait très bien comment faire ça. Et puis, je fais la somme des termes. On a la fonction sum qui fait l'affaire. Et puis, on multiplie par cette constante 1 sur 2m. Donc, c'est bon, on peut faire le calcul avec les tableaux dans NumPy, dans Python. Une nouvelle matrice M fois M, j'ai pas compris. Parce que ici, on a au carré, non, c'est pas le produit matriciel là. On va pas faire le produit matriciel. Pourquoi? Parce que ici, c'est terme par terme. Vous voyez, chaque terme AXI plus B moins Y au carré. On fait le carré terme par terme. Donc, il s'agit pas de produit matriciel, mais il s'agit d'une puissance terme par terme. D'accord, monsieur Mohamed? Donc, finalement, on a trouvé comment je vais écrire la fonction coût dans Python. Tout simplement, je vais écrire 1 sur 2m fois la somme. Comme vous voulez, vous pouvez écrire sum pour dire, voilà, je vais utiliser la fonction sum. Donc, la somme x θ moins y au carré. J'ai trouvé comment je vais écrire ça en Python. C'est bon. Avec θ, on a dit c'est la matrice AB, X c'est la matrice des données, Y c'est la matrice des cibles. Ça, c'est pour la représentation matricielle de la fonction coût. Je passe maintenant à l'algorithme de minimisation. On va minimiser.
Et pour minimiser, on a bien vu que je dois dériver. Alors, on va dériver et on doit encore écrire les dérivées sous forme matricielle. Allez, on va commencer le calcul des dérivées. Courage. Ça, c'est la fonction J. 1 sur 2m. Voilà ça. AXI plus B moins YI. Le tout carré. On va chercher la dérivée de J par rapport à A. On va la calculer. Oui, je dérive par rapport à A. Exactement. C'est une dérivée partielle. Parce que je cherche juste la dérivée par rapport à A. C'est bon? Tu peux écrire comme ça. D par rapport à A de J, monsieur. C'est bon? Je veux dire juste, tu dérives, tu fixes le B et tu dérives par rapport à A. C'est bon? Si vous allez considérer la fonction J de variable A, vous pouvez utiliser cette notation. Si vous considérez la fonction J de variable A et B, donc c'est la dérivée partielle. C'est bon? Donc, je dérive par rapport à A. La dérivée, ça c'est une constante. 1 sur 2m. La somme. La dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Maintenant, la dérivée de ça. D'accord. La dérivée de cette fonction, juste si on a vu la dérivée, on peut trouver le calcul, ce n'est pas difficile. C'est, je dérive par rapport à A, donc c'est 2 fois. La dérivée de ceci par rapport à A, donc ça va donner XI. Je rappelle, si on a une fonction f de A, égale par exemple A fois, je ne sais pas, 2A plus 3. F prime de A, c'est quoi? C'est 2. C'est cette constante-là multipliée fois A. Donc ici, la constante multipliée fois A, c'est XI. Donc 2 fois XI fois AXI plus B moins Y. Qui n'a pas compris la dérivée? Qui n'a pas compris comment on a trouvé la dérivée? Convaincu de la dérivée ou pas? Vous vérifiez s'il y a un problème juste. Bon, j'ai pas très. J'ai pas bien suivi. Donc, pour ceux qui veulent répondre, vous pouvez soit lever la main, soit écrire sur le chat. Je pense que j'ai beaucoup de réponses. Je ne sais pas. Très bien, la somme qui gagne partiellement, 1, 2 mètres sum x, 2. Je ne suis pas très bonne en ces choses-là. D'accord, et je deux, veux voir. Ça va, c'est bon. Pas de souci, Malak, je trouvais les derniers messages, ça va, c'est bon. Mais pour le message de Mohamed, je n'ai pas bien compris. Si, juste s'il veut s'exprimer, on peut... Oui, accéder la parole, Malak Mohamed, s'il peut bien sûr parler. Oui, pas de souci. Mohamed, la parole est à vous. Vous pouvez, s'il vous plaît, exprimer vos réponses oralement, qu'on puisse la comprendre. Ah, oh, il est malade, il ne peut pas parler. Pas de souci, d'accord. Mais juste, je n'ai pas bien compris. La dérivée de la fonction, c'est correct ou pas? Juste, est-ce que vous avez un problème avec la dérivée ou bien c'est bon? Ah, ok, très bien. C'est bon. Maintenant, de même, je veux dériver la fonction par rapport à B. La dérivée par rapport à B. Non, c'est bon, une explication de plus et de plus. Ok, je vous remercie pour l'explication. Donc, voilà, je dérive par rapport à B maintenant. La dérivée, c'est quoi? C'est 1 sur 2m. La somme, y allant de 1 jusqu'à m,
Maintenant, je dérive par rapport à B. Et B multiplié fois quoi? Fois 1. Donc ici, il n'y a pas le XI qui va sortir, uniquement le 2. Fois A XI plus B moins YI. Et comme ça, on a calculé mathématiquement les dérivés. Bien sûr, le 2 avec ce 2-là se simplifie. Déjà, c'est pour cette raison qu'on a dit, on a mis le début 2. Naturellement, la moyenne, il n'y a pas de 2, mais juste on a ajouté ce 2 pour simplifier le calcul maintenant. Voilà. Oups, j'ai perdu la feuille. Oh mon Dieu. Oui, c'est possible de revenir au passage d'écran, docteur. Je veux essayer. Vous voyez, c'est bon pour le partage. C'est bon, vous voyez la feuille. On ne peut pas voir la feuille blanche, docteur. Ah, d'accord. Je vais partager encore une fois. C'est bon maintenant? Oui, c'est clair maintenant. Très bien. Voilà. Donc, pour la dérivée ici, vous voyez dans la dérivée par rapport à A, il y a le XI. Pour la dérivée par rapport à B, il n'y a pas le XI parce que ici, dans l'expression de J, le A multiplié fois XI, mais le B multiplié fois 1 tout simplement. Sophia, oui, vous avez dit, j'ai oublié le YI, mais ici, pourquoi je mets YI? Regardez, on a AXI plus B moins YI. Je dérive par rapport à B. Donc, ça, c'est une constante. La dérivée d'une constante est nulle. Ça, c'est une constante. Ah, d'accord, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Très bien. Maintenant, voyons la dérivée. Voilà la dérivée, on a dit, c'est bon. L'expression. Maintenant, je veux exprimer ces deux dérivées matriciellement. Encore, je veux les exprimer matriciellement. Il n'y a pas de souci, Sophia. Donc, juste, je vous donne quelques minutes pour réfléchir comment je peux écrire les dérivées matriciellement. Vous pouvez l'écrire sur une feuille et juste faire une capture, une photo et l'envoyer. Essayez de chercher l'écriture matricielle de dérivée et faites une photo de ce que vous avez trouvé et partagez ceci dans le chat. Qui a une idée? Donc, ceux qui ont une idée, vous... d'accord. X au carré moins x au carré theta moins xy. D'accord, c'est une possibilité, d'accord. On va voir les autres. Juste là, juste je vous rappelle, Mohamed, les matrices X, par exemple la matrice X. La matrice X a cette forme-là. X1, X2, jusqu'à Xm, et là, sont des 1. Donc, la matrice X, elle a M lignes de colonnes. La matrice Y a cette forme-là. Y1, Y2 jusqu'à Ym. Donc, elle a M lignes, une colonne. Donc, même le produit que vous avez écrit, par exemple, est-ce que je peux faire le produit matriciel X fois Y? Non, parce qu'ici, M2 et ici, M1.
on a dit pour faire le calcul matriciel, on a besoin MN fois NP. Il faut que ceci est égal à celui-là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le produit X fois Y, on ne peut pas faire. Matriciellement, c'est impossible. C'est bon? Pour le produit matriciel, il faut que la première matrice, par exemple, ici, le nombre de colonnes de la première matrice égale le nombre de lignes de la deuxième matrice. Ici, nombre de colonnes 2, et là, c'est M, un exemple. C'est bon? Donc, est-ce qu'il y a une autre proposition? Quand même, très bien, Mohamed, vous avez essayé de donner une expression. Pour les autres, Sophia, vous avez une réponse? Alors, donc, je donne la solution. Vous avez posé une question de peur et ils sont en train de répondre, n'est-ce pas? Donc, on aura une seule matrice. Oui, d'accord. Sophia, elle n'a pas de réponse, mais Mohamed, il essaye toujours de répondre. Donc, on aura une seule matrice entre parenthèses. D'accord, je comprends. Donc, OK. Donc, vous allez écrire ça matriciellement. D'accord, c'est une possibilité. Alors, regardez cette formule magique. Est-ce qu'elle va faire l'affaire ou non? Bon, toujours, j'espère que vous avez noté la matrice X, vous avez noté la matrice Y, vous avez déjà la matrice θ qui a la forme AB, les paramètres. Et maintenant, je vais écrire dj par rapport à θ, matriciellement, c'est quoi? C'est la dérivée de J par rapport à A, la dérivée de J par rapport à B. Donc, la dérivée de J par rapport à θ, c'est une matrice de même taille que la matrice θ, c'est-à-dire quoi? Deux lignes, une colonne. Je veux écrire ça matriciellement. Alors, si vous avez une feuille, juste, j'aimerais bien terminer avec ce calcul. Je ne sais pas, Fédi, si vous voulez essayer de faire le produit matriciel. Regardez cette formule. Donc, dj par rapport à θ, matriciellement, on va l'écrire 1 sur m fois transposé de x. Et je vais expliquer le transposé de x, c'est quoi? Fois le produit matriciel x θ moins y. Je vais expliquer c'est quoi la transposée d'une matrice. X ici, c'est une matrice, par exemple, on va dire 1, 2, 3, 4. Alors, la transposée de X, c'est une matrice qui transforme les lignes en une colonne. Donc, le 1, 2, c'était une ligne dans X, donc dans la transposée, elle sera une colonne. 3, 4, c'était la deuxième ligne, donc elle sera la deuxième colonne. Donc, si notre matrice X, on a dit déjà, elle a cette forme-là, X1, X2, X3, jusqu'à XM, et là, D1, on a dit, on va mettre D1 là. Alors, la transposée de X, c'est quoi? C'est cette ligne-là sera une colonne. Elle sera comment alors? X1, X2 jusqu'à XM. Et cette deuxième ligne, elle sera une colonne. 1, 1, 1, etc. Donc, la taille de la matrice X, c'était M ligne, une colonne. Donc, la transposée de X, elle sera 2 colonnes, pardonnez-moi. Elle sera 2 lignes, M colonne. Vérifiez juste maintenant pour terminer cette séance. C'est terminé les mathématiques. Juste la séance prochaine, Inch'Allah, on va écrire ces formules dans Python. Mais juste avant de terminer la séance, j'ai calculé manuellement les dérivées. Dj par rapport à A, Dj par rapport à B. J'ai trouvé ces formules-là. J'ai trouvé 1 sur M fois la somme
qui allant de 1 jusqu'à m, xi fois a, xi plus b, moins yi, et la 1 sur m, i allant de 1 jusqu'à m, a, xi plus b, moins yi. Et grâce au calcul matriciel, je peux écrire ça comme une matrice dj sur dθ, qui est une matrice deux lignes, une colonne, égale 1 sur m, produit matriciel de transposé de x, fois xθ moins y. Essayez de vérifier par vous-même, et puis juste, je vous donne une démonstration pourquoi ceci matriciellement s'écrit comme ça, et on termine la séance. Juste, je vous donne quelques minutes pour essayer de démontrer vraiment que matriciellement, je peux écrire ces équations-là sous cette forme-là. Je vous donne quelques secondes ou bien c'est clair? Je vous donne quelques minutes pour essayer. Donc, est-ce que tout est clair? Vous pouvez répondre à la question ou on peut dire à l'exercice donné par Dr Coach. Donc, vous avez quelques minutes avant la fin de la séance aujourd'hui. Essayez de résoudre l'exercice demandé et envoyez une capture d'écran ou encore la solution ou bien la réponse via le chat. Allez ensemble, rappelez-moi la taille de la matrice xθ. C'est quoi la taille de la matrice xθ? X, c'est une matrice, on a dit, ayant m lignes, deux colonnes. Θ, deux lignes, m,1. Très bien, très bien. Allez, la taille de y, c'est encore m lignes, une colonne. Donc, la taille, ici, c'est quoi? M ligne, une colonne. Vous êtes d'accord? Donc, cette matrice xθ moins y, elle a la taille M ligne, une colonne. Maintenant, la transposée de x. N'oubliez pas, la taille de x, c'est M2. La transposée de x, alors, ça sera 2m. Donc, la taille de la matrice transposée, c'est 2 lignes m colonnes. Est-ce que je peux, très bien, Sophia, est-ce que je peux faire le produit matriciel? Oui. Le résultat, il sera quoi? Une matrice, très bien, Sophia, encore. Le résultat sera une matrice ayant 2 lignes, une colonne, multiplié fois une constante, ça sera toujours 2 lignes, une colonne. Et ça sera exactement cette matrice-là. Oh, pardon. Voilà cette matrice que vous voyez ayant deux lignes, une colonne. Et vous pouvez vérifier le calcul juste là. On va utiliser Python pour faire tous les calculs. Mais si vous voulez s'assurer juste que la formule est bien correcte, elle est vraiment magique, vous pouvez faire le calcul pour s'assurer que voilà la représentation de matricielle de dérivée de la fonction coût. Et une fois on a les formules matriciellement, on va l'écrire en Python et il va comprendre, il va faire le calcul et pour nous, juste on a besoin des résultats. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on a fait dans cette séance? Alors, on a fait plein de maths. C'était pas une séance facile. C'était délicat parce qu'on a vu plein de maths. Le math qui se cache derrière les algorithmes d'apprentissage supervisés et principalement, j'ai considéré comme exemple l'exemple de régression linéaire où le modèle considéré, c'est le plus simple, à x plus b. Et on a arrivé à écrire tous nos points qui sont le dataset,
le modèle, la fonction coût et les dérivés de fonction coût qu'on va les utiliser dans l'algorithme d'apprentissage, on a tout écrit matriciellement. Est-ce que vous avez des questions? Veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire sur le chat. Et bien sûr, merci infiniment à vous de support. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas les réponses. Peut-être je fais comme ça. Basique derrière Python. Les basiques derrière Python. Mohamed, vous voulez expliquer encore? Pouvez-vous clarifier, Mohamed? La science d'aujourd'hui, ce n'est pas le derrière Python, les algorithmes dans Python, les machine learning. D'accord? On a vu les mathématiques derrière, ce n'est pas derrière Python, parce que Python, finalement, c'est langage de programmation. On va l'utiliser après pour écrire ces formules qui sont mathématiques. On va les écrire dans Python. D'accord, monsieur? Regardez, pour résumer, vous allez trouver, si vous consultez des pages, des cours sur la régression linéaire et juste vous voulez des résumés. Hein, on n'est pas juste, c'était une question de l'un parmi vous. Je n'ai pas une grande idée sur les maths. Est-ce que c'est bon pour moi? Oui, vous pouvez être un data scientist sans être vraiment un grand mathématicien, finalement. Si vous comprenez ces formules et vous savez comment l'écrire dans Python, c'est bon. C'est bon? Ça, c'est un résumé. Le dataset, le feature, les facteurs, le target, les paramètres, le modèle, la fonction coût, le gradient dérivé par rapport à θ. Et là, on n'a pas parlé de ça, mais je pense que c'est clair. C'est juste A, on a dit, c'est A moins alpha fois la dérivée. B, c'est B moins alpha fois la dérivée. Donc, ça, c'est matriciellement, c'est très, très simple. Voilà un résumé. C'est très utile, croyez-moi. Je ne sais pas, ça pourra être simple ou bien difficile, mais c'est la base de la régression linéaire qui est utilisée non seulement pour les exemples que je donnais, parce que j'ai donné des exemples simples, les prix d'un appartement ou bien je ne sais pas quoi, mais c'est utilisé dans plusieurs algorithmes qui sont très avancés. La base, c'est elle-même toujours. La dataset, modèle, fonction coût et gradient. Voilà, j'espère que c'était bénéfique pour vous. Toujours la semaine prochaine, on reprend avec Jupyter. Je sais qu'on sera peut-être plus à l'aise avec Jupyter et on écrit des codes. Merci pour votre présence, Malak. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Donc, pour la dernière fois, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Tout est clair? On n'a pas de questions? C'est bon? Pas de questions? Allez, tout le monde? J'ai la chance de poser votre question. C'est bon, merci, cher professeur. Ok, je pense que nous avons répondu, docteur, à la plupart des questions à la fin du cinquième cours, je pense, de la formation d'aujourd'hui. Voulez-vous ajouter quelque chose? Docteur? Ah, oui. Non, toujours, je voulais vous remercier, Malak, un grand, grand merci pour toi, Malak, pour tous tes efforts. Merci à Fedi. Pourquoi je dis Fedi? Parce que vraiment, tu termines la séance avec des pas de grandes connaissances en mathématiques. Vous êtes courageux, monsieur. Chapeau bas. Merci à Sophia. Merci à Mohamed pour leur participation pertinente.
Merci à Atia Abdelmelek encore. Merci à vous tous et au revoir à la prochaine, Inch'Allah. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention, 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 nous n'avons pas encore terminé. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le mardi à 18h, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous verrons une chance la semaine prochaine ou encore demain avec la formation de l'apprentissage de la langue anglaise ou encore les outils d'analyse du marché. Ou bien encore avec nos nombreuses autres formations, telles que Apprenez à programmer en Java. Nous avons également Marketing Digital. Et nous avons également le cours déplacé de comment peut-on élaborer un logiciel à l'aide de Microsoft Access, Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux. Découvrez les librairies Python pour la data science qui est liée à la formation d'aujourd'hui, gestion des performances stratégiques, préparation à l'examen du DELF, et plein d'autres de formations et d'activités. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Au revoir et bonne soirée.